En 1734, on parle de lui dans Dracula de Francis Ford Coppola. Mozart est allé chez lui, a également, bon, plusieurs personnalités prestigieuses. Mesmer, bonjour. Bonjour. On parle évidemment de Mesmer, le médecin allemand, et je pense qu'entre lui et vous, il y a une grande corrélation. Oui, une grande coloration. J'ai pris son nom un peu en son honneur, Franz Anton Mesmer. Euh, lui, il l'écrivait seulement qu'avec un S. Moi, j'ai rajouté un S pour euh, le faire différent aussi. Et le nom de famille existe réellement avec deux S aussi, Mesmer. Et euh, j'ai pris son nom un peu pour faire appel euh, à la mémoire de Franz Anton Mesmer, qui avait commencé, lui, dans les années 1734 à maîtriser le transfert d'énergie magnétique. Bien, c'est ça. Alors, est-ce que c'était les débuts de l'hypnotisme à ce moment-là? Oui, anciennement, ça s'appelait les magnétiseurs. Okay. Euh, les gens magnétisaient les autres personnes et euh, faisaient descendre les vibrations de la personne à 14 vibrations secondes ou même à 7 vibrations secondes. Quand je parle de vibrations de la personne, c'est au niveau du cerveau. Mm -hmm. Et là, on rentre dans les cycles du sommeil. Mm -hmm. La science a évolué beaucoup depuis ces années-là, mais anciennement, c'était vraiment au premier balbutiement de, de, de voir qu'est-ce qui se passait dans la tête d'une personne quand on réussissait à lui faire des passes magnétiques. Mais la base demeure la même parce que ce là pour lui, il était convaincu que quelqu'un pouvait guérir quelqu'un d'autre, son prochain, avec un flux magnétique, c'est oui. ce que vous... Euh... Oui, au niveau de la guérison, on, ça, en va, fait, ça on, va plus loin. Il oui. ouais, y a beaucoup de suggestions qui rentrent en ligne de compte. Le transfert d'énergie magnétique, oui, fonctionne réellement. On peut travailler sur le tissu humain avec le transfert d'énergie magnétique. Mais ça prend tellement d'années à maîtriser maintenant que la science a mis ça vraiment de côté parce que ce n'était pas quantifiable, ce n'était pas explicable encore dans les années 1800, même début 1900. Aujourd'hui, on commence à comprendre un peu plus le principe. Le champ électromagnétique de l'être humain, le cerveau émane des, des pulsations électriques à chaque fois qu'il réfléchit. Alors, ça commence à être de plus en plus étudié et à être compris, et il reste maintenant à le maîtriser et à l'amplifier. Moi, j'ai vraiment appris à l'ancienne et j'ai commencé déjà à aller plus loin à ce niveau-là. Je ne comprends pas toute la mécanique, mais je sais que c'est là, je sais que ça existe. Mais vous comprenez la façon dont ça fonctionne plus que la moyenne des ours, si je voudrais dire, parce que ouais. vous avez déjà été hypnothérapeute en plus. Pourquoi oui. avoir décidé de, de changer de, de, de vocation, en fait, ou à tout le moins la façon de, de la ouais. pratiquer? Je fais plus d'hypnothérapie maintenant. Euh, j'ai mis ça de côté parce que. Je me sens beaucoup plus utile sur une scène à montrer devant 1000 personnes que ça fonctionne. En tout cas, au moins, j'ouvre l'esprit des gens par rapport à cette science-là. Je trouvais que les gens qui venaient me voir en, thérapie, en clinique, euh, c'était souvent du dernier recours. Les gens disaient Oh, je vais tout essayer, je vais essayer l'hypnose, je vais essayer un hypnotiseur. Alors, souvent, les gens venaient nous voir et c'était en dernier recours et c'était déjà très, très avancé, des fois, dans leur maladie. Alors, on ne pouvait pas faire grand, grand chose. Mmh. Et, euh, je me sens plus utile sur scène pour leur montrer que ça fonctionne. Et là, les gens vont ouvrir l'esprit par rapport à cette science-là. Ils vont se renseigner et c'est pas rare d'avoir à chaque spectacle la quantité de gens qui veulent avoir des informations. Et là, je les réfère au bon département, soit oui. à l'Association des hypnologues du Québec ou des courses sur la maîtrise du subconscient, comme la sophrologie dynamique, qui enseigne à maîtriser justement ces fréquences-là qu'on a dans notre cerveau et on peut les maîtriser. Alors, mon, mon but est gagné. C'est d'ouvrir l'esprit aux gens sur scène. Et je pense que je suis plus utile ici devant 1000 personnes qu'une personne dans ma clinique à chaque fois. Bon, justement, vous, ça fonctionne par le subconscient. Vous, vous prenez presque contrôle du subconscient des gens et leur fait des suggestions c'est simplement oui, suggestion, mais je ne prends pas le contrôle de la personne. Euh, on a une complicité qui se crée. Si ça devient trop intense pour la personne elle-même, elle va complètement refuser la suggestion ou elle va remonter au conscient. Si ça veut dire que valeurs. si quelqu'un vient faire euh, des idées ici à l'avant, mm -hmm. c'est parce que quelque part, ça les tente. Oui, quelque part, oui, parce que le subconscient va accepter la suggestion. Et à ce moment-là, si ça devient trop intense, par contre, pour la personne, elle va complètement refuser la suggestion, elle va remonter au conscient. Et là, mon but, c'est de réamener cette personne-là dans un état de sommeil pour continuer l'aventure. Sur scène, ici, je leur fais vivre des aventures assez intenses et euh, ça va pas de la poule, ça va pas au mouton, oh, oui. des choses comme ça, mais on va dans une montagne russe de 10 000 km de hauteur. Okay? Alors, c'est haut une montagne russe de 10 000 km de hauteur. Et là, on voit la réaction de chacun. Il y en a qui ont du plaisir à vivre cette aventure-là. Il y en a d'autres qui ont les hauts le cœur tellement ils se sentent mal dans cette montagne russe-là. Mais là, si ça devient trop intense pour la personne qui a le haut le cœur, elle va s'éveiller avant que ça aille trop loin. T'sais. Alors, c'est euh, différent pour chaque personne et c'est ça qui fait en sorte que le spectacle change de couleur aussi par rapport aux réactions. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur de vous, pourquoi? Je pense que c'est un manque d'information, je pense, au niveau de ce qui se passe sur scène, au niveau de ce qui peut se passer dans la salle. Et euh, il y en a de moins en moins parce que les salles sont de plus en plus pleines. Je, je comprends, soir. mais des gens qui ont déjà été hypnotisés ouais. par vous et qui ont peut-être eu peur de, 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 du contrôle que ça faisait, finalement, j'imagine que. Euh, oui, mais à ce moment-là. Est-ce qu'on n'a est, pas l'impression de perdre un petit moment de sa vie? La personne, oui, croit ouais. qu'elle a perdu un moment de sa vie et pense que je suis capable de l'endormir quand je veux. C'est vrai. <laughs> non, non. Non, mais si ça devient encore une fois trop incommodant pour la personne, elle va complètement refuser la suggestion et va pouvoir vacasser ses occupations sans, sans problème. C'est encore non, un manque d'informations. On là. blague, mais à peine. Là, le, oui. À, votre, à vous, avant l'entracte, vous donnez des suggestions aux gens et ils vont euh, fonctionner tout à fait normalement pendant oui. l'entracte. Et en revenant. Euh, la suggestion La part. suggestion repart. Oui, oui on appelle ça une poste de suggestion et ça peut se faire à long terme. Sauf que le, le temps plus le temps avance. Moi, la suggestion va être intense, elle va se dissiper avec le ah, okay. temps. Okay. Alors, Alors, les gens sur... qui disent euh, « j'ai peur de ne pas jamais me faire réveiller, et de rester comme ça », c'est impossible? C'est impossible. 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 Le, sommeil va se trans... le sommeil hypnotique va se transformer en sommeil naturel euh, si la personne sous hypnose ne sent plus le stimuli de l'hypnotisant. Alors, le sommeil va se transformer en sommeil naturel et la personne va remonter au conscient. Au niveau des vibrations de son, de son cerveau, elle va remonter au conscient et va s'éveiller par elle-même. Pourquoi il y a des gens avec qui ça marche beaucoup et des gens avec qui ça marche pas du tout? Dans mon cas, c'est une question, moi je l'explique, une question de synchronicité entre les deux personnes. On parlait tantôt du champ électromagnétique, le champ magnétique de l'être humain. Moi j'envoie cette fréquence-là dans la salle, je vibre moi-même à 14 vibrations secondes. Et quand la personne est sensible à ma vibration, à mon énergie, elle va le sentir et elle va s'adapter elle-même à 14 vibrations secondes, elle va s'adapter à mes vibrations. Et c'est ces champs-là que je cherche dans la salle. Si ça n'a pas fonctionné un soir, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon sujet. Réessayez-le l'autre soir et peut-être que là, vous allez vous sentir dans l'état que moi, je vais me sentir. Ou en tout cas, on va se synchroniser ensemble. Nos énergies vont se synchroniser et là, vous allez pouvoir le vivre. Moi, je le sais parce que ça fait plusieurs spectacles que je donne. J'en fais 200 par année. Il y a des gens qui me suivent, puis qui me suivent puis qui veulent vivre l'expérience. Et je connais des gens avec qui ça a pris quatre fois avant qu'ils vivent l'expérience sur scène. Une, entre autres, ça a pris treize fois avant que l'énergie passe et que là, elles peuvent vivre l'expérience. Alors, il ne faut vraiment pas désespérer pour ceux qui veulent le vivre. Réessayez-le et vous allez sûrement pouvoir le vivre éventuellement. Euh, en terminant, où est-ce que vous vous voyez dans 20 ans? encore sur une scène, encore ça sera. Oui, oui, oui. oui. Puis, de la même façon? Oui, non, mais peut-être que je vais donner plus des séminaires aussi là-dessus, peut-être plus de, de. Je vais mélanger cours, des, des cours dans les salles pour peut-être donner des. justement, apprendre à maîtriser soi-même notre subconscient. Ça, j'aimerais l'enseigner aux gens. Là. Mais le spectacle présentement me, me plaît. J'aime la vie de tourner. J'aime voyager. Alors, ce métier-là me permet de voyager. Mais éventuellement, quand je vais être tanné de ça, de, de tourner un peu, là, je vais m'asseoir et on va donner des cours sur la maîtrise du subconscient. On devra parler de vous encore assez longtemps parce que de toute façon, peu importe que vous y soyez ou plus, en anglais, hypnotisé, on, on dit «to mesmerize» aussi. Et voilà. Merci Mme, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne chance. Merci. Au revoir. <rires> <rires>